Bon, en fait, je vous reprends pour une quatrième vidéo, comme ça sera fait, et puis je vous fais le reste une autre fois. Comme ça, toute la semaine prochaine, si j'ai un peu de temps, quand j'aurai un peu 5 minutes, je vous ferai les montages. J'ai fait une commande Temu, il n'y a pas très très longtemps, donc comme d'hab, ça arrive très très vite. Je vous mettrai les incrustations des produits quand ils sont sur le site. Alors les produits, hein, je ne vous les mettrai pas forcément puisque ça peut varier. Je vous les mettrai au prix que moi je les ai payés, mais ça varie en fonction des offres que vous avez. Si vous êtes nouveau client, pas que vraiment plein de choses. Donc je préfère vous l'indiquer. Donc j'ai pris du ce qui est make-up et j'ai pris je crois que j'ai pris un sac à main et des trucs de rangement, mais enfin, je verrai. Donc voilà, j'ai juste ouvert la poche parce que voilà, je voulais pas vous le filmer aujourd'hui, je voulais le filmer plus tard, mais je préfère le faire maintenant, comme ça moi ça sera fait. Bon, toujours mon t-shirt tout net, hein, donc comme c'est la quatrième vidéo le même jour, et ma tout nette, la vraie, qui est ici. Tu dis bonjour? Oh, je te réveille, maman te réveille, maman elle est méchante. Maman elle est méchante, elle t'a réveillé, ma pauvre chérie d'amour. Oh oui, maman elle est méchante. Bon, on va commencer. Donc, j'ai acheté un sac à main. Je voulais voir ce que ça donnait. Voilà. Donc, c'est un sac à main comme ça. C'est un fourre-tout avec zippé. Et donc, avec une anse comme ça. Regardez. Le dessin est très joli. Que l'on attache comme ça. Et que l'on peut régler. Regardez, vous avez un truc exprès pour le régler. Donc, quand vous le mettez sur votre épaule, ou en bandoulière, suivant comment vous le portez, je ne sais pas s'il est possible de le porter en bandoulière. Hop, sais pas, après, en fonction de la longueur, on peut régler comme ça, vous le mettez là. Donc là, vous voyez, il est comme ça, donc il n'est pas non plus hyper grand. Pour info, la tout net, elle peut loger tant. Non, je déconne. Pour info, scotch, je sais pas où j'ai mon téléphone, je ne l'ai pas ramené. Ça, regardez. Voilà. Ça peut vous donner une idée. Ou pas. Donc, il est zippé. Là, une zip, donc il fait tout. Donc ça c'est bien, mais j'aime pas quand c'est pas zippé parce que le problème c'est que bah, moi j'ai toujours peur qu'on me pique mes affaires dans mon sac. C'est quand j'étais petite, j'étais traumatisée par ma grand-mère ou mes grands-parents quand j'allais dans Paris me balader. Ils disaient à chaque fois, ton sac, pas de sac à dos derrière, tu mets ton sac à dos devant, tu fermes bien ton sac, tu le gardes devant toi et tout. Donc voilà, avec les pickpockets. Voilà, donc il est crème, ouais, il est joli. Bon, il est petit, hein, il n'est pas très, très grand. Après, la qualité, il y a des petits fils qui dépassent, là, vous voyez. À voir ce que ça donne, mais après, la doublure, elle a l'air de tenir. Une doublure comme ça, elle fait un peu satinée. Ouais, ça a l'air de tenir, donc c'est bien, parce que certaines doublures, des fois, c'est un peu pas assez épais. Là, ça a l'air d'être pas mal. On verra ce que ça donnera. J'essaierai de le prendre la semaine prochaine. Tiens. On verra ça. Et par contre, ce qui manque, c'est une petite poche à l'intérieur. Il n'y a pas de poche du tout. Il y a juste cette grande poche. On met tout dedans. Ça fait vraiment fourre-tout. Mais pourquoi pas? La zip, en tout cas, elle est bien. Et quand on arrive au bout, vous voyez. Je vais le défaire là, ça se plie, donc c'est bien pour aller jusqu'au bout. C'est pas mal. Donc voilà un petit sac ouais, qui fait. Ah tiens, attendez. Une box. Voilà. Pour la beautiful box, si vous voulez. Il est plus gros. Je vous mets la box dedans. Loge dedans quoi, et je peux le fermer. Regardez, donc c'est pas mal. Après, moi mon sac il est plus grand que ça,
Mais j'ai plein de trucs dedans. J'ai le bordel quand je pars le matin et j'ai mon gilet. Par exemple, si il fait chaud, ben mon gilet, je le remets dedans. Ouais, j'ai plein de trucs dans mon sac. Donc là, au moins, ben, je ne mettrai pas tout dedans. Donc voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, je ne sais pas, il n'était pas cher du tout, hein. Je vous mettrai le prix que je l'ai payé, mais vraiment pas grand-chose. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tester. Et puis voilà. Après, j'ai pris donc pareil, donc du rangement, ça c'est pas un sac. Hein. Voilà, donc pas mal pour ranger des trucs dedans. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des anses des deux côtés. Donc si on veut le ranger dans un placard par exemple, on met dans le placard, on peut tirer d'un côté ou on peut tirer de l'autre. Après, bon, suivant ce que c'est, on peut le faire. Par contre, ce qui est décevant, c'est qu'il n'y a pas de. Moi je pensais que c'était plus dur le truc. Au moins qu'il y ait un fond dur pour le tenir. Regardez, c'est très léger, très fin. Moi, je m'attendais, je vous mettrai la photo de ce qu'il y avait sur le site, vous verrez. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pense que vous attendriez pas non plus à ça. Bon, après, pour ce que ça va être, c'est pour ranger des. Ce que je vais faire, c'est pour ranger mes affaires, style des fringues que j'utilise pas pour le moment, style quand c'est été ou hiver, essayer de mettre. Parce que dans les placards, on a toutes les fringues, c'est chiant. Donc, ben, au moins de mettre certains trucs que je vais mettre uniquement pour telle occasion ou telle saison, je vais les mettre dedans. Et puis voilà. Donc, j'en ai pris qu'un, c'était pour voir comment que c'était. Si jamais ça me plaît, j'en reprendrai plus. Je ne veux pas en prendre 4-5 et puis me dire, ah ouais, non, c'est pas, ça ne me plaît pas. Donc voilà. Donc là, j'en ai pris un pareil, le même, mais en plus grand. Beaucoup plus grand. Vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pour ranger les fringues, peut-être les manteaux, enfin, on verra et tout. Donc pareil, il n'y a pas de dessous qui est dur. Donc bon, ça sera posé dans une étagère. Mais j'aurais préféré qu'il y ait quelque chose de plus de dessous pour maintenir. Après, on verra, il ne faudra pas mettre des trucs trop lourds. Alors, je sais plus du tout ce que c'est, hein, forcément. Hein. Oui, j'avais pris pour le packaging aussi parce qu'il est très beau. Regardez-moi le packaging. C'est très beau. Hein. C'est une crème rouge, mais quoi, comme crème? Voilà, donc je l'ai ouvert. Donc voilà ce que c'est. Alors, je ne sais pas du tout. Alors, je regarde sur leur site. Ce que c'est parce que je ne sais plus du tout. En tout cas, c'est très beau. Je vous mettrai hein, de toute façon ce que c'est. En tout cas, voilà. Donc j'ai pris ça par curiosité. Et ah oui, c'est du trois couleurs make-up. C'est en fait c'est un fond de teint si vous voulez tricolore. Il sort en trois couleurs. Ça, j'ai pris ça parce que je le voyais passer sur plusieurs trucs et je me disais c'est quoi. Donc c'est en forme à pompe comme ça et je vais chercher du sopalin et puis comme ça sera plus simple. Bon voilà, donc j'ai été chercher du sopalin comme ça c'est plus simple. Donc en passant, comme je suis passée devant la caméra, j'ai bougé le truc, il était tout tombé, je l'ai remonté, donc il n'y aura peut-être pas le même cadrage, donc c'est pas grave. J'ai retrouvé, donc en même temps j'étais récupéré mon téléphone. Donc ça c'est une crème. Voilà, j'ai refermé la page. C'est une crème visage sang de dragon, donc qui est utilisée pour hydrater et réapprovisionner l'eau, raffermir la peau et lisser la peau. Donc ça améliore l'élasticité et ça la rend douce et tout. Bon, bah, pourquoi pas. Hein. On verra bien ce que ça va donner. Et ça, donc, j'étais en train de vous dire ça. Hop, hop, hop. C'est. Hop là. C'est une isolation en trois couleurs, donc ICVC. Premier pas avant le maquillage. L'ombrelle cutanée isole la radiation contaminante. Un pseudo no maquillage uniformise et illumine le teint. Donc c'est ça peut servir de base de teint si vous voulez pour illuminer tout. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai été chercher le sopalin, donc moi je peux m'en mettre, il n'y a pas de souci.
Là, vous voyez, il sort violet, mais il y a aussi du vert. Je ne sais pas si vous verrez. Par contre, on voit pas trop le orange, le rose. Mais là-dessus, c'est violet et en dessous, c'est vert. Je ne sais pas si vous arriverez à voir avec la caméra. En tout cas, il y a du vert. Et c'est toujours la main qui prend, mais c'est pas ma main qui sera maquillée, mais bon. Bon, l'odeur n'est pas, il n'y a pas d'odeur particulière, c'est assez léger, ça prend un petit peu de texture gel, très léger. Ça s'hydrate bien, ça passe, ça se voit bien. Ma peau l'a bien bu, ma main, après le visage, on verra. Et ça fait pas de gras, ça fait bien, c'est pas mal. On va voir sur le visage que ça peut donner. Quand on met sur les rayons, peut-être, je sais pas. Donc non, il n'a rien, c'est de la marque Skivy. J'ai pas dit la marque du truc. Hein. Si, ici, mais si. Skivy, et c'est comme ça. Ah oui, ça, je sais ce que c'est, je me souviens. Hop, regardez. Très joli. Hop, c'est un stick. Hein. Ah, ah ouais, c'est un parfum en stick. Hein. Il sent très bon. Pas me parfumer avec, mais je crois que j'en ai pris 2-3. J'en ai pris 3. Donc, il y a dedans de la tangerine, bergamote, clary sage. Alors, clary sage, je ne sais pas ce que c'est. Du thé et du woody scent, amberge, gris et musc. Il n'y a pas de. C'est pas marqué en français. C'est chiant ça. Oui, il y en a 4 différents. Celui-ci, c'est Brisante Chalot Grasse. Vous mettrez les notes. Non, pas mal. Après, donc, tout abîmé. Mais bon, au moins lui, il n'est pas. Donc celui-là, il est plus dans les violets, vous voyez. L'autre, il était plus dans les dorés, marrons. Celui-là, il est dans les violets prunes. Ils ne sont pas du tout la même chose, heureusement en même temps, parce que ça serait un peu con. Et celui-là, il est plus dans des notes. Green tea, santal. Ouais, c'est plus du santal, de l'orange, du black currant. Ouais. Celui-là est plus dans les verts. Et donc, sans quoi? Non, il fait plus. J'aime bien. Il pourrait convenir à un mec aussi. Regardez. Et donc celui-ci. Regardez. Moi, je vous mettrai en photo, ce sera plus simple. Donc, celui-là. Donc les notes. Dedans, il y a du. Ah oui, c'est plus du citron, du jasmin, de l'orange, de fleur d'oranger. Du cyprès, de l'arbre à figues. Donc, ils sont très bons. Et le quatrième, c'est fraise. Donc, il y a de l'amande, du citron, de citronnelle, de l'amande, du sucre, de la vanille et de l'ambre. Alors pourquoi j'ai pas pris? Sûrement parce qu'il n'y avait pas. Ouais, je crois que c'est un fond de teint. Donc c'est la teinte 02. Et c'est l'hydratation boost Lasting Finition Foundation. 2% de niacinamide. Et donc c'est comme ça. Voilà. Et c'est en format pompe. Pareil que l'autre produit. Donc j'aurai le produit avant le maquillage. Une fois que c'est une fois. Ouais, c'est mieux que beaucoup. Il faut armer la pompe. Et donc voilà. Mais il est un peu clair quand même, je trouve. Beaucoup clair. Bon après, là c'est ma main. Ma main est plus foncée que mon visage. Hein. Bon, je ne sais pas si vous verrez, mais en tout cas, ma main est plus bronzée que le visage. Bon. On ne va pas en mettre 50 000 partout.
prendre du sopalin. Voilà. On verra ce que ça donnera sur le visage en espérant qu'il ne soit pas trop clair. Bon, après, s'il est trop clair, je m'en servirai cet hiver. Par contre, celui-là, il est en plastique. Je m'en servirai cet hiver où je serai beaucoup plus clair quand même. Beaucoup plus clair. Bon, pas trop de différence entre l'été et l'hiver, mais je suis quand même un peu plus clair l'été. L'hiver. Après, j'ai pris un lot de masques. Je ne les voyais pas comme ça, mais bon, pourquoi pas. 10 masques. Donc, c'était 10 masques à la fois, des masques de sommeil. Donc là, il y en a plusieurs de pareils. Et il y en a des différents, bien sûr. Donc, il y en a à la bave d'escargot. Donc, c'est la marque L'Écou. Donc, la bave d'escargot. Il y en a deux. Alors, il y en a quatre à la bave d'escargot. Deux à la sakura. Fleur de sakura. Deux à l'algue. Seaweed. Et deux matcha. Oh, matcha, ça doit être sympa. J'en ai eu un masque à la matcha. Matcha. Bon. C'est bien, mais il y en avait aussi koala, truc de koala, c'est quoi ça? Couchage koala. Ouais, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir deux autres de celui que j'ai pas. Ça m'aurait fait deux de chaque. Bon, c'est pas grave. Voilà, je verrai avec les filles pour les faire, pour voir, je leur en enverrai, puis voilà. Mais bon, voilà ça. Donc, c'est toujours intéressant, des masques. Maintenant, c'est des monodoses, comme ça, au moins. Et c'est des masques de couchage, donc ça doit être des masques qu'on garde toute la nuit, qui va régénérer la peau. J'ai pris celui-ci tout seul. Donc, ça, c'est un masque tissu anti-âge au collagène de Sadoer. Vous ne verrez pas. Voilà, ça doit être. Il a l'air d'être plutôt pas mal. Hein. Il a dit. Mais il promet pas mal de choses. Donc voilà. Donc celui-ci. Donc voilà le produit. C'est un Oshil, la marque. Voilà, c'est tout défoncé. Et c'est un produit comme ça, regardez. Là. C'est un eye cream, une cream pour les yeux. Rapide. Et c'est l'embout qui m'a plu. Et je voulais voir. Regardez, c'est un bout comme ça avec trois petites billes. Donc on appuie, on sort le produit et puis ça masse les petites billes. Pourquoi pas? Vraiment pour voir les effets des petites billes que ça fait. Après, c'est le produit, hein, ça vaut quelque chose. Donc voilà, bon, pareil, hein, c'est des produits qui ne valent pas grand chose, mais bon, enfin, qui ne coûtent pas cher. Après, à voir ce que ça donne ou pas, hein, puisque il y en a qui sont quand même, c'est pas parce que c'est des produits pas chers que ça, c'est pas bien. Putain, je viens de voir ça, la body lotion. Oh là là, je crois que je vais prendre ça la prochaine fois. Bon, on n'est pas la prochaine fois. Donc voilà ce que j'ai pris, mes petits achats. Je vous mettrai bien les photos des différents produits sur le site. Et comme ça, au moins, vous saurez à quoi ça ressemble. Et puis, peut-être les références ou pas. Mais en tout cas, le produit peut varier, comme je vous ai dit, en fonction de ce que vous... comment vous les achetez. Quand vous les achetez. À partir de... Ben voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte à partir de ces achats. Hein, donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains de ces produits. Enfin, surtout les make-up ou les parfums. Et puis, à me dire si vous achetez de temps en temps sur leur site. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai. Si jamais j'en ai pas, je ne vous le mettrai pas, forcément. Je suis trop marrante, moi, des fois. Non, je déconne. Et puis, voilà. Bon, sur ce, je vous fais cette fois-ci plein de gros bisous. Je
invite à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et puis, ben, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Là, je vous en ai fait 4 coup sur coup. Donc, 4 où je serai habillée pareil. Ou voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vous les posterai. Bien sûr, pas les 4 à la suite, hein, parce que forcément, il faut faire les montages et tout. Mais je vais essayer de faire ça rapidement. Surtout déjà, là, assez rapidement, les produits terminés. Et vous mettre les autres, voilà, au fur et à mesure. Déjà que j'ai une autre vidéo que je vous ai déjà faite, un haul, que je n'ai toujours pas posté. Et j'ai mes produits, mes gains au cours aussi que j'ai pas posté. Enfin, je vois, j'ai pas de temps. Voilà, bon, j'essaye de faire. Hein. J'ai du stock au moins, j'ai filmé. Donc maintenant, c'est à moi de suivre derrière avec les montages. Voilà, bah, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Bisous, bisous.